Pascal Affine Guessant, le président du Front Populaire Ivoirien FPI, par ailleurs président de la région du Moronou, effectue une tournée dans la dite région du 26 au 29 janvier prochain, à en croire un communiqué signé de son directeur de cabinet, Adouabou André. Le président de la région du Moronou, l'honorable Pascal Affine Guessant, informe les populations du Moronou, en particulier, les élus et cadres de la région, les chefs coutumiers, les présidents de jeunes et de femmes de la région, qu'il effectuera du 26 au 29 janvier prochain une visite de compassion aux populations du Moronou, précise le communiqué. La région du Moronou, est-il bon de le rappeler, a été en proie à des violences communautaires en octobre 2020. En effet, conformément aux mots d'ordre de désobéissance civile, des militants de l'opposition avaient entrepris des marches à Bongouanou. Ceux-ci se sont heurtés aux militants du parti au pouvoir, RHDP, qui voulaient les en empêcher. De son côté, Pascal Affine Guessant a été arrêté dans la nuit du 6 novembre 2020 alors qu'il se rendait à Bongouanou. Il a été libéré le 30 décembre 2020, et placé sous contrôle judiciaire. Cette tournée, la première du genre après les événements post-électoraux, sera l'occasion pour Pascal Affine Guessant d'expliquer l'actualité politique à ses parents. Il mettra également à profit cette tournée pour parler des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Candidat à sa propre succession dans la circonscription de Bongouanou sous-préfecture, autant dire que cette visite de compassion sera aussi une tournée de pré-campagne pour les législatives.